Pour les poissons, il faut prendre comme ça et faire. Et voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous fera vraiment plaisir. Oh, je suis trop fatiguée. Tant mieux, au moins il reste 10 minutes avant que la séance se finisse et je pourrai rentrer chez moi. J'espère juste que dans la salle, tout est propre. À la place de ranger, je pourrai direct rentrer chez moi. Donc le film, il était bien ? Il était super bien, mais j'ai eu peur un peu, donc c'est pas grave. Et vos déchets à la poubelle là-bas ? J'ai pas pris à manger. Au revoir. C'est bizarre, je l'ai vu rentrer avec de la nourriture. Bon, je vais y aller voir. Et voilà, c'était sûr qu'ils ont laissé leurs déchets. Parce que je les avais vus rentrer avec de la nourriture et ils ressortent avec les mains vides. Oh là là, ils ont salé toute la salle, c'est pas possible. Regardez, ils ont laissé beaucoup de déchets. Oh, c'est trop sale. Et en plus, à l'entrée, il y a une poubelle. Vous avez qu'à prendre vos déchets et le mettre dans la poubelle. Pas besoin de le laisser sur le siège. Oh là là. Ils ont laissé trop de déchets par terre. C'est même pas la nourriture qu'ils ont achetée au buffet. Dès demain, c'est interdit de prendre la nourriture d'extérieur. Il faut prendre que celui du buffet du cinéma. The next day. Bonjour. Bonjour. Venez. Merci. Et vous avez quoi dans la main ? De la nourriture. À partir d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de ramener de la nourriture qui n'est pas au buffet. Pardon ? Mais je l'ai acheté au buffet, donc je peux y aller. Attends, montrez-moi. Non, c'est pas bien de mentir. Ça va bien, ça vient pas du buffet. Pourquoi je peux pas? Hier, j'étais bien dedans avec de la nourriture extérieure. Oui, mais c'est pas vous qui a tout rangé à votre place, non? C'est moi. Tenez vos billets ou soit vous pouvez poser la nourriture ici et y aller. Je regarde jamais de films sans nourriture. N'importe quoi, sinon je m'ennuie trop. Si vous voulez manger, vous avez qu'à y aller au restaurant, pas au cinéma. Ce matin, je voulais aller au cinéma, mais ils m'ont interdit de ramener de la nourriture extérieure, donc j'ai pas pu voir mon film alors que j'ai payé. Donc je vais y aller ce soir. Vu que j'ai déjà réussi à ramener des bonbons dans un hôpital, le téléphone dans l'école, là je suis sûre de réussir à ramener des bonbons extérieurs dans une séance de cinéma. Le moyen le plus facile de rentrer dans le cinéma avec des bonbons, c'est de faire semblant d'être la plus grande fan de foot, même si je suis très fan du foot. Voilà. En plus, j'ai tout. Les outils, allez la France. Donc là, j'ai un petit chapeau et j'ai trouvé une technique, c'est de mettre les bonbons. Parce que je pense qu'elle va pas vérifier si j'ai un paquet de bonbons caché dans mon chapeau. Pour faire moins de bruit dans la salle de cinéma, je vais ouvrir le paquet. Hop là. Je vais juste mettre du bon côté. Oh, il y a une fan de sport allez, qui arrive. Bleus, allez. Vous avez de la chance, aujourd'hui il y aura un film de sport. Mais c'est pour ça que j'ai pris cette séance. Bon, vous avez pas pris de bonbons? Ah non, je mange pas de bonbons, je suis sportive, je dois garder une bonne alimentation. Attendez, vous savez qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la salle avec un chapeau. Mais c'est pas n'importe quel chapeau. Vous allez gêner les autres pour regarder. Et vous êtes déjà assez grand. Mais je me mets tout au fond de la salle. Non. Allez. Oui, moi qui pensais que tu gardais une bonne alimentation. Allez les bleus. Allez, non, allez non, les bleus. Non. Mais c'est bon, ça vient. Tenez, tenez. Ramassez tous les bonbons. Vos nouvelles règles me plaisent pas du tout. Je vais plus jamais revenir dans cette séance de. Je vais plus jamais revenir dans ce cinéma. Donc ici, personne va rentrer avec de la nourriture qui ne vient pas du buffet. Bonjour. Tenez les billets. Et ça?
ça c'est... Et ça c'est vos poissons. On n'a pas le droit d'animer. Le poisson il est comme ça. On n'a pas des animaux de compagnie au cinéma. Mais c'est pas des animaux, c'est mes bébés d'amour. C'est comme mes enfants. Je suis toujours avec eux. Vous pensez que les poissons regardent des films? Mais oui. Ça sert à quoi des yeux alors? Bon, on n'a pas le droit d'animaux de compagnie au cinéma. Donc posez-le ici et regardez votre film. Non, non, non. Mais c'est pas des animaux, c'est des poissons. Est-ce que dans le règlement c'est écrit qu'on n'a pas le droit de poissons? Je pense que vous avez raison, mais vous avez quoi dans la boîte? C'est des vers de terre, c'est leur nourriture. Oh, vous voulez que je vous apprends un truc? Regarde, mon père il m'a appris à faire ça. Regarde. Mon père il est pêcheur, il m'a appris à faire ça. Pour que la nourriture soit plus bonne pour les poissons, il faut prendre comme ça et faire. Et voilà. Ils auront une bonne alimentation. Tenez. Bon, je suis gentille aujourd'hui, vous pouvez y aller. Merci. Enfin, j'ai réussi à rentrer avec des bonbons. Mais j'ai même plus envie de les manger. Elle a craché dedans, vous imaginez? Maintenant, il faut que je regarde le film. Mais sans les bonbons. Maintenant, c'est l'opération du sac. J'ai besoin d'un paquet de Kinder. D'un sac. Non, la chaîne du sac. Alors, on va l'enlever. Hop là. Et je vais... Attends. Et je vais transformer ce paquet en Kinder en petit sac à main. Alors, besoin de ciseaux pour faire des trous sur le côté de la boîte. Ici. Attendez pour voir si... Oh voilà, mon petit sac. Maintenant je le mets et j'y vais. Sac de designer. Bonjour, c'est encore vous le contrôleur? Oui. Vous m'aimez trop. Bonjour, c'est encore vous, vous avez pas de gourmandise? Non, non, vous me connaissez, j'en porte jamais. Je vous connais très bien, vous faites que de ramener des gourmandises. Mais pas du tout, là je suis au régime. Et tu peux me dire c'est quoi ce sac? Ton sac il est suspect. Non, c'est un sac designer. Designer? Oui, par Kinder, par Kinder Surprise-o. Kinder Surprise-o. Oui, oui, c'est un nouveau designer italien. Il fait des merveilles, regardez. On dirait un paquet de Kinder. Mais c'est un petit sac. Bon, ok, je vous fais confiance. Merci. Kinder Surprise. Mon fameux sac est rentré dans la salle de cinéma. Je peux regarder les films et en même temps manger de la nourriture qui vient de l'extérieur sans payer cher. Très bien. Est-ce que vous avez bien aimé mon DIY? Likez la vidéo. Et j'aimerais savoir si ça vous a plu la vidéo, mais bon, les commentaires sont désactivés. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et je pense qu'à 30 000 likes, on fera une deuxième partie. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Ça nous fera vraiment plaisir.